Et bonjour tout le monde, rebonjour, ça fait un petit moment que... Enfin, ça, pour vous ça doit... Enfin, j'en sais rien. Peu importe, on continue l'histoire. Attends le café, hein. Non, j'adore mes impôts. C'est quoi ce tatouage là? Tu t'es pris pour un gros Jarwood ou quoi? À ton avis? Oui. T'as vu la gueule du mec? Si que j'entends même pas le son de mon jeu, je sais même pas s'il y est là. Bon, peu importe. Je vais prendre le son sur leur vidéo. Ah, j'entends des coups. Sérieux? J'entends un très gros écho là. Ouais. Vous avez... T'as entendu un écho alors que moi j'entends même pas mon jeu? Non, j'entends ma voix. Ah, tu entends ta voix? Oui, ta voix, je... c'est normal puisque ta voix est plus forte que le son du jeu, donc ta voix va un peu résonner. Peu importe, téléphone. Non, c'est pas téléphone. Mission. Gangbang. T'as pas changé de truc? Comment ça s'appelle? T'as pas un casque? Un casque? Et non, j'ai pas de casque. Mais c'est pas le casque, le problème c'est le micro. En fait, ce que ça doit être ton... comment ça s'appelle? Le son de ton PC qui résonne dans ton micro. Ouais, non, il y a, le, y a la sortie de, du son qui est juste à côté de l'entrée du micro, donc du coup... mon micro il entend ma... mon jeu, ce qui est un peu con. Le micro il déconne un peu aussi. Pourquoi qu'ils ont mis le micro à côté de la sortie du son? Vraiment, ce que je te conseille, c'est de prendre, tu sais, les... Bah, comme moi, j'ai un machin mi-casque, merde, tu vois. Ouais, mi-casque, mi-micro. Ce qu'il me faudrait, c'est juste un micro, en fait. Rien que micro, ça en suffirait, histoire de l'éloigner de... Autant qu'à faire, prends les deux, ça sera toujours un meilleur son. Bah, moi, je pourrais te dire la marque du mien, il m'a pas trop coûté cher. Donc, il m'a coûté 30 euros. Ouais, mais j'aime bien entendre ce qui se passe autour de moi, aussi. Alors, crois-moi, j'entends vraiment ce qui se passe autour de moi. Et hop, pas en voiture Simone. Ok. Ça va être qu'à faire, essayer de chercher un peu qui c'est mon personnage. Ah, tu as essayé de refaire le tatoueur, non? Il est son nom? Matt. Ouais. C'est donc, il y a vraiment pas assez, il y a vraiment pas assez de tatouage pour faire le tatouage. Ça fait. Désolé. Mais j'entends vraiment rien, donc vous aurez un peu de résonance, cher public, mais bon. Le son sera pourri, mais au moins je pourrais jouer. Ah. Ah oui, ça résonne bien. C'est sérieux? Ah, ça va. Il y a la pluie, je pense que j'entends la pluie en double. Mais j'entends même pas, j'entends même pas mon jeu, moi. Attends. Ah oui, merde, il faut que je me trouve un, comment ça s'appelle? Je crois que c'est un criminel, non? Une espèce de gros oui, là où il y a les brutes, elles sont. Hmm? Là où il y a les brutes. Non, le plus gros. Enfin, je sais pas si, je crois que les brutes, non, les gros camions. Ceux qui ont les, enfin, ben, tu sais, il y a deux sortes de camions. Les criminels, c'est là où sont les brutes. Oui, mais il y a deux sortes de camions comme ça, il y a les criminels et puis il y a les autres. Bah non, les brutes elles vont que dans les criminels. Mais tu veux parler des véhicules des luchadors, c'est ça? C'est un autre. Voilà. Voilà, le même truc que. Il faut ça, je vais le repeindre en rouge. Putain, il y a un mec sympa. Je le remets en rouge or et puis ça prend le style. Parce que Matt, je pense que je vais garder pendant un petit bout de temps, il est sympa ce perso. Mmh. En plus, ça correspond à l'histoire. Bah non, il est mort. Parce que Matt, il est pas mort officiellement. Il est si pas mort, Matt. Ah si, il est mort. Tu as juste lancé une brique dans la gueule, ça va le tuer, hein. Il est mort. Mais non. Si, si, il est vraiment mort. C'est Donny qui est pas mort. C'est le mec qu'on martyrise enfin, qu'on... tout le long de... Oui, mais Matt, il est pas mort. Tu as juste envoyé une brique dans la gueule. Ça l'a pas tué, mais... Ça va, je vais juste écraser. Tu sais ce que c'est... Tu t'es déjà pris une brique dans la tête? Oui. Justement. C'est pour ça que je dis que ça va pas le tuer. Ouais, mais bon... Ça le tue pas. Tout mieux, ça lui pète la gueule, bon, quoi, ça lui voilà, va être à l'endroit. Mais... Voilà, lui, il m'étonne pas, il est mort, voilà. Tiens, et rien que pour ça, j'ai tué 4 des cœurs. Des cœurs, on s'en fout. Ouais, attends. On que... C'est bon, je fais fermer. Non, putain, je passe à travers un mur, s'il te plaît. Là... Ouais, sinon, j'ai essayé de télécharger un mode de super pouvoir, mais je comprends pas comment ça marche. Voilà. D'ailleurs, c'est où les payeurs commandes que je sache à l'avenir? Allez, c'est parti. Déjà que je sache déjà si c'est un dossier ou pas.
Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça me dit vaguement quelque chose. Oh, ça va, j'entends pas d'écho. Moi, j'entends pas la vidéo. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. À quoi je jetterai un coup d'œil pour voir si on entend quand même le son. Ok. Parce que ça me paraît louche là que j'entends de rien. Eh ben merde. C'est cool ça. Oui, donc j'insiste, un match il est pas mort. Si il est mort. D'ailleurs il y a une putain. Il y a eu un putain de. Comment ça s'appelle? Merde, je sais plus. Merde, de rumeurs. De putain de rumeurs sur le 5. Et si c'est vrai, ben, je l'achèterai rien pour ça. Ils ont même pas compris de faire les DLC du 4. Ouais, c'est vrai. Je parle de 3 qu'ils avaient pas commencé 4. Hein, moi. Enfin, tu me diras, le 4 il est quand même bien basé sur le 3. Hein. Ouais, mais le 5 ce sera une conquête spatiale de l'univers. Les 5 sont envoyés en univers. Le 5, de ce que j'ai compris en fait, la première partie, hein, je dis bien la première partie, enfin des rumeurs, hein, après. C'est vraiment, on va voyager dans le temps. Donc, un truc, ben ça c'est un putain de spoil, je m'en fous parce qu'on est même pas sur le faire. Pareil, de toute façon c'est peut-être pas après. Il y a une rumeur qui dit what the fuck, il y a une putain. Ah, mais c'est toi, putain. Qu'est-ce que tu as ? Il y a une rumeur qui dit que. Comment ça s'appelle ? Qu'on pourra, qu'on pourra arriver, enfin, remonter le temps jusqu'à période Saints Row 2 et potentiellement sauver Carlos. Je crois qu'il y a une mission comme ça où il faut le sauver. Après les rumeurs. Et franchement, ça rentre. Je m'arrangerai pour poster l'épisode de Saints Row avec Carlos qui meurt avant de poster cet épisode-là, comme ça. S'ils veulent pas spoiler, ils avaient qu'à regarder mes épisodes de Saints Row 2. De toute façon, Saints Row 3, de ce que j'ai compris, t'as beaucoup, beaucoup de trucs. Saints Row 2, je pense que Saints Row 2 va avancer plus vite que Saints Row 3. Enfin, je sais pas, y a quelques bons persos, je sais pas. Ou alors j'essaierai de refaire Monsieur Sunshine, mais y'a pas la coupe. Monsieur Sunshine. Il est trop ce perso. Je suis pas mort. Putain, mais tu as crevé. Mais c'est vrai que ça rebase bien les zombies de base. Hein. Parce que le zombie de base, c'est vraiment une créature vaudou, hein. C'est pas un machin à moitié mort. Enfin, si, c'est un machin à moitié mort. C'est un machin mort réanimé par le vaudou. Là, c'est compliqué. C'est pas un zombie qui essaye de bouffer des gens. Bon, peu importe, à mort. Donc, le 2 est plus réaliste que le 3. Oui, ça c'est sûr. Attends, moi je vais au snipe. Oh putain, j'espère qu'il va pas y avoir le bug de la dernière fois. Non, c'est bon, il y a bien les hélicoptères qui arrivent. Enfin, les pétoles. Non, la dernière fois j'étais tombé par-dessus le toit, c'est pas pareil. Ouais, oui, c'est vrai. Attends. Mais bon, les gars, je vais y aller au corps à corps. Ça sera plus marrant d'y aller au corps à corps. Attends, je vais juste. Hop là. Surtout que Matt. Hop là, voilà. C'est vrai que l'avantage au match du 2 par rapport au match du 3, c'est que le match du 2 il a pas une gueule de tapette quoi. Le match du 3 il a vraiment une gueule de tapette. Mais le match du 2 il est mort. Il est pas mort. C'est une brique dans la gueule, merde. T'as qu'à repasser la cinématique. Ça tue pas à prendre une brique dans la gueule. Dans Saints Row 2 on peut repasser la cinématique. Tu repasses la cinématique du moment où on lui casse le nez. Ah oui. Et tu me... Ah j'ai cru que t'allais mettre le nez. Et tu me diras si il est pas mort. Je te promets qu'il n'est pas mort. Est-ce qu'on le revoit après la... On lui a pété la gueule et on lui a envoyé une brique dessus, ça ne le tue pas. Désolé mais Marc, on le revoit plus jamais, donc à mon avis il est mort. Brique, c'est putain négligemment la brique. Hein. Ouais, mais... En plus il a tapé de la main, je peux dire, le boss il n'est pas les deux mêmes morts. Hein. Oui j'ai vu. C'est pas la brique que tu envoies dans la gueule pour mort. Voler. Oui, beaucoup de gens envoient des brinks dans la gueule de leurs amis pour voler. Pire, il y a qui est pas mort. Il y a Badoni.
Qui? Donnie. Donnie, le petit moustachu là. Ouais, c'est celui qui pleure tout le temps et qui a peur. Oui, le moustachu, oui. C'est qu'il arrête de bouger ce coup. On tue tellement de monde dans Saints Row 2. Tu vas crever? Mais crève! Mais putain, mais il veut pas crever ce mec. Ah, le fusil à pompe, c'est efficace contre eux. Hein? Le fusil à pompe, c'est efficace. Oh, leg! C'est efficace contre eux, le fusil à pompe. Le fusil à pompe, c'est lourd. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo avec Kitty. Je sais pas ce qu'il a sur le micro. Bah, je sais pas, Ou alors c'est le tien, je sais pas. Parce que bah, putain, il le son. Il doit y avoir l'écho. Hein. Enfin, ça peut venir de ton problème à toi. Hein, ça. Oui, c'est à mon avis. L'écho. Oui, et sinon, les Smash, tu en as déjà fait beaucoup avec. Genre, je t'en ai déjà fait faire. Hein. Et puisque... Oui, mais bon, pas beaucoup, on en a fait une ou deux, quelque chose comme ça. Il faudra que je t'apprenne à quoi ça sert les bonus quand même, si tu comptes en fait. Normalement, il devait. J'ai vu le Vettel qu'on vient de détruire. Ouais. Bah, normalement, c'est le Vettel, c'est normalement, il devait nous assurer. Voilà, c'est maintenant, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait un bug. De quoi? Pas ça. Ouais, tu rendez-vous, quoi. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ça suffit. Pourquoi tu as pas bougé? Aïe. Pourquoi? Parce que je suis accroupi. Et dans la plupart des jeux, que ce soit FPS, TPS ou MMO, quand t'es accroupi en général, tu prends moins de dégâts. Non, quand tu es accroupi, tu es plus précis. Plus précis, ouais, ça dépend des trucs. Mais tu prends moins de dégâts, enfin, tu prends moins de dégâts quand tu prends. Bon, bref, tu prends moins de dégâts. Non, France. Attends, bouge pas, je vais essayer de dégager la voix. Attends, je prends ça, je fais ça. Je... Voilà. Pardon, mes dames. J'ai un petit. La voiture! Quelle voiture? Celle juste là. Il faut qu'on rentre dedans. Juste là. Okay. Voilà, tant pis pour le bouquet. Tant pis pour les. Pour les. C'est qui nous suit en train de courir là? Oh merde, j'ai oublié Viola. C'est le mec, tiens, ici on. Tiens, il y a quelqu'un là, mais qui est-ce? Alors je sais pas. Tu notes qu'il a même pas foutu ça. Ok, monte. Ok, c'est bon, on se casse. Bon, on se casse pas en fait, descend. Putain, heureusement que j'ai fait en même temps que Guyo là. Donc c'est moi qui ai Viola, ok. C'est... Hop. Oh. Vas-y, attends, on monte. Mais celui-là, je suis sûr qu'à Bum, il serait pas mal. Hein. Parce que j'aime pas les machins avec les trucs au-dessus. Enfin, c'est pratique, mais j'aime pas qu'on en saute. C'est chiant. Parce que t'as le machin qui part n'importe où, toi. Ouais, non, on va tourner normalement. C'est beaucoup plus rentable que de tourner. Non, se prendre le mur, c'était pas une bonne idée. Non, c'est parce que là, j'ai essayé de tourner un truc. Mais c'est beaucoup plus rentable. Pourquoi c'est tourner chiant, en tant que machin. Pas tirer à travers, mais c'est véhicule. Ouais, non, en fait, c'est juste de la maniabilité de merde. J'ai rien dit en fait, c'est juste de la maniabilité de merde. Ah! What the fuck? Les gars, j'ai un tank. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis un peu mort. Je suis un peu tombé en fait. Ah merde, pourquoi t'es tombé? Je pense que je suis fail. Vas-y, conduis, tant qu'à faire. Vas-y, dépêche-toi. Ok. Oh, mon téléphone, j'ai attends, deux secondes, je regarde mes messages. Ok, moi je vais juste essayer d'appeler pour voir si je me souviens du nom du machin. Véhicule. Oh merde, putain, véhicule. Faudrait que je roule, non? Une torche, non? Ah, c'est peut-être un bulldog. Non, les bulldogs, c'est les machins. Ah, attends, allez, on force. Mais on avait pas les véhicules des gangs, moi? Si, quand tu. Normalement, on a tous les véhicules des étoiles du matin. Ah, il faudra que je regarde. Je fume. Je dépêche-toi avant de cramer. Merde, on crame. Au revoir. C'est pas grave, je vais apporter notre véhicule. Ils sont pas sympas, c'est ça. En plus, celui-là, il a un gentil petit truc sur le cul. Ouais, il y a la tourelle. Vas-y, monte, crame. Hop là, allez, viens, vieux là. Attends, tiens-toi, hop.
je peux pas dire, mais la dernière fois qu'on a eu un poil plus de tourelles, le truc c'est qu'ils ont un peu, ils ont un poil plus de tourelles. Attends, il y a un avion là. Barre-toi, on veut pas de toi, connerie. Ouais. D'ailleurs, une grande amélioration, il paraît que dans le 5, il y aura des tanks de luxe. 5 places. Enfin, 4 places. 5 places, mais bon. Enfin, des tanks, 4 places. C'est pas de marrant, en fait. Après, c'est des rumeurs, hein. Après, ça se trouve, ils sortiront pas, je crois. Enfin, j'espère qu'ils le sortiront quand même. Hein. Je vois mal ce qu'ils peuvent faire comme histoire pour Saints Row 4. Ils sont déjà, Saints Row 5, ils sont déjà allés tellement loin. Pour Saints Row 5, ils vont voyager dans le temps. Ouais, pour la rumeur, la première partie va vérifier dans le temps. Et la deuxième, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense que ce sera une histoire de planète. Ou repeupler la Terre. Je sais pas, tu vas devoir construire des villes, des conneries comme ça. Moi je dis, avant de lancer la fin de la mission, c'est à mieux de détruire vos poursuivants. Si tu veux. Moi je me barre. Bon, enfin, non, c'est une mauvaise idée. On se casse. On a pas des... En plus, tu notes le roleplay, il a un bandage à la main droite. Je suis sérieux, s'il te plaît. Ah, bah tiens, regarde ce qu'il va dire là. Ça va te rappeler quelque chose. Merci, porte. Il n'y a pas d'occasion, nous avons le soutien de la marine Renault. Ah, le maire Renault. Oh, les stags ont changé notre quotidien. Quand on aura gagné la guerre contre les gangs, vous et vos familles serez en sécurité. Voilà, c'est là que ce n'est pas ce que... Laissez-moi vous parler de Jessica Parrish, une fille de Steve Water qui est avec son copain. Maintenant, Jessica aimait bien sa vie jusqu'à ce qu'un membre du gang la kidnappe, la balance dans un coffre de voiture, et bien son copain est sur la voiture lorsque... Ah ouais, putain. Tu te rappelles de ça? Oui, mais elle a mérité cette connasse, arrête. Il était pour rien, c'est son mari le... C'est une connasse. Arrête. D'ailleurs, faut dire, c'était un peu nous qu'on avait commencé dans l'histoire, en fait. Ouais, comment ça? On peut commencer, qu'est-ce que tu racontes? Ben disons qu'ils avaient proposé une alliance, on a refusé, et vu que ça nous avait pas plu, ben... On lui a blancé de tout le reste dans la gueule. Mais bon, ils ont quand même mis Carlos. Il a pas fait un truc bien chiant, ok? Ben, il a insulté Gat. Il a insulté Gat. Ah. Non, arrête, il a insulté les Saints, les Angers, merde. Mais bon, nous, on lui a quand même envoyé un poison toxique dans la gueule. On a tué sa copine, on a tué son meilleur pote. Atomique dans la gueule, s'il te plaît. Donc, je vais voir s'il n'y a pas des machins. Des résidus atomiques, c'est pas du poison toxique. De quoi? Il pleut d'habitude dans cette Il fait sombre. Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, il pleut d'habitude dans cette Oui, mais rarement. Oh les gars, il pleut. Je me rappelle même pas qu'il pleuvait dans Saints Row. Pourquoi je peux pas prendre les voitures? Pourquoi je peux pas prendre des voitures? Pourquoi je peux pas prendre des voitures? Pourquoi je peux pas prendre des voitures? Pourquoi je... Là. Là. Merci. J'avais pas eu qualité. Donc le Saints Row, on s'en fout. Torche, c'est pas ça. Neutron, Alice Class, c'est pas ça. Vortex, Alice Class, c'est pas ça. Elle est bonne, c'est pas ça. Pas ça. Bulldog, non, c'est pas ça. Angry Tiger, Sexy Titan. Non. Bon. Bon, attends, je vais sauvegarder. Par contre, à la recherche d'un véhicule à Pimp. Ça va. De toute façon, au pire, la prochaine fois qu'on fera du 2, on connaîtra le 1. Hein, parce que la plupart des voitures, elles n'ont pas changé du 2 au 3. Hein. Bon, peu importe. Je coupe 2 secondes, je vais. D'ailleurs, est-ce que t'as une merde une partie qui est à 100% 100% sur ma play. Ok, il faudra que tu essayes d'aller le plus loin possible avec un bateau. Je verrai. Parce que ça c'est une rumeur, c'est pas vrai. C'est peut-être faux, hein, je pense d'ailleurs que c'est faux. Mais il y a une rumeur qui dit... Bon, tu sais, quand tu vas à fond avec un bateau le plus loin possible, tu dis que ce qui porte enfin... Que les Saints à Steelport ont encore besoin de toi. Oui, je dis ça.
il paraît que à 100% ils n'ont plus besoin de toi et que donc tu peux repartir à Stillwater. Oui, bon, je sais pas si tu as vu la gueule de Stillwater dans Saints Row 3. Ils utilisaient le code pour aller à Stillwater, le machin est à moitié fini. Ouais, bon. Bon, bref, coupure, je vais vérifier le son. C'est grumeur.